Après avoir retouché le ballon mercredi à l'entraînement, Antoine Dupont a franchi une étape supplémentaire ce jeudi. Le capitaine du 15 de France a pu sprinter, sur un exercice de chandelle avec réception, crochet et course, en compagnie de Nicolas Jean-Jean et du préparateur physique Gaëtan Boissard. Réunion décisive lundi. Sa progression est constante depuis dimanche, date à laquelle le Toulousain avait repris la course, après sa blessure face à la Namibie et son opération. Si sa séance de dimanche pouvait être estimée à 50% d'intensité, Antoine Dupont monte en puissance. La réunion décisive aura lieu lundi, avec l'avis du chirurgien qui l'a opéré. Mais au vu de sa dernière séance, il a l'air désormais physiquement opérationnel. Antoine Dupont est forfait pour le match de ce vendredi soir contre l'Italie, dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupe. Mais la possibilité d'un retour porte sur les quarts de finale, qui ont lieu les 14 et 15 octobre. Les demi sont prévus les 20 et 21 octobre. Opéré le 22 septembre d'une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont a retrouvé ses coéquipiers ce week-end à Aix-en-Provence, où les Bleus s'étaient installés pendant une quinzaine de jours après leur victoire face à l'Uruguay 27 à 12.